Salut tout le monde, c'est Tagorko. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des aventures de Batman, Batman Arkham Asylum sur PS3. Excusez-moi, je mange. J'ai très faim. Attendez, déjà avant ça, ça serait bien de rallumer la manette, hein, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, on s'était arrêté à Bane, si je me rappelle bien. Et là, comme vous pouvez voir, on a eu un mode de défi déclaré. Et je vais déjà vous montrer les contenus des figurines que j'ai déjà obtenues. Voilà, ça c'est du Batman. Voilà, hop, gauche à droite. Voilà. Je crois qu'il n'y a que lui pour l'instant. Voilà, on va reprendre là, on s'est arrêté, je crois qu'on devait aller chercher, enfin on devait aller à la Batcave, il y a une Batcave à la ville d'Arkham. Alors, on y va. Oracle, piratez les ordinateurs de la ville, rassemblez tout ce que vous pouvez sur le Dr Young. J'analyserai tout ce que vous aurez trouvé une fois arrivé dans la grotte. Une Batcave sur l'île d'Arkham? Je l'ai construite il y a des années. Mieux vaut être prévoyant dans de telles situations. Comment avez-vous réussi à la tenir secrète? C'est moi, rappelez-vous. Quoi? Le Dr Young aurait fait des expériences avec le venin? Le même produit qui a transformé Bane en cet animal? Oui, je suis inquiet. Bane semblait plus puissant que d'habitude. Le Joker veut le venin, et ça ne peut que nous amener des problèmes. Je me rends au point de l'homme mort, dans Arkham Nord. Je vous contacterai quand je serai dans la Batcave. Et c'est parti! Ils sont toujours en train de... Ouais. Bonjour les gens! C'est Batman! Ah toi t'es déjà mort, toi aussi. Toi aussi. Oh tu te prends haut là. Bouge pas pendant que je t'écrase la bouche par terre. Alors, on va voir comme dehors. C'est quoi le problème avec le point de l'homme mort? Pendant 100 ans, c'était l'endroit préféré pour se suicider sur l'île d'Arkham. Oui, je sais. Un jour, j'ai empêché un malheureux interné de se jeter dans le vide. J'ai trouvé l'entrée d'une grotte et au fil des années, j'y ai entassé un tas de réserves. C'est un peu comme un second chez soi. Oh bah oui. Sous le vent. J'ai pas de temps, messieurs. C'est par là-bas. Ah, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça, il y a des crânes. C'est quoi ce bordel? Vous êtes sûr c'est un pénitencier?
Identité confirmée. Désactivation des contre-mesures. En fait, je me suis trompé, c'est pas un pénitencier, hein, c'est une asile. C'est une asile, pas un asile. C'est un asile, on dit pareil. Non, on dit pas pareil. Un asile. Activation. Bienvenue à la Batcave. Dr. Young dirigeait un projet. Un gros. Financé par des fonds externes. Voici ses dernières notes. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait qu'elle faisait des tests sur les patients d'Arkham. Ce nouveau produit chimique ressemble à peine au venin d'origine. Un certain nombre de changements amplifient la force de la drogue. Il y a de nombreuses références à une formule titan. Même en petite quantité, elle pourrait déclencher une transformation chez l'hôte, et les réservoirs requis par Bane ne seraient plus utiles. Attendez, ces notes sont incomplètes. Il manque la formule. Ce doit être le secret que le Dr. Young veut cacher. Si le Joker met la main dessus, il créera une armée de 1000 Bane. Bon sang. Le Joker est assez fou pour faire ça. Évidemment que oui. Il faut l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La botte griffe. Ok. Je vais la chercher. Elle allait au manoir avec Cash. Je passe par les catacombes. Attendez, vas-y, moi je regarde autour. Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est un... Ouais, je rêve pas. Alors, c'est parti, j'ai plein les catacombes. Sans tomber, hein. Non, pour rien. Allez, c'est parti. On continue. Désolé, patron. Ça a été plus long de le trouver que vous ne le pensiez. Oh, pardon. Je serai d'être plus précis. Allez, bonne nuit. Tu m'écoutes ou quoi ? Bah non, il fait la sieste. Pourquoi est-ce que c'est à nous d'ouvrir ça ? C'est pas la porte principale. Même si on l'ouvre, on sait pas ce que ça fera. Allez, les enfants. Je vais péter la figure, moi. On a même pas de temps de faire quoi que ce soit, là. Allez, hop, bonne nuit. On peut prendre le truc là-bas, non ? Ah, ça fait pas comme dans l'autre. Il est déjà là ? Hé, vous vous fichez de moi ? Cette chose n'est pas un homme. Ouais. Ah, j'ai dit que je voulais monter, moi, alors tu vas me laisser monter. Et là, il y a quoi là ? Il n'y a rien du tout. Je me suis renseigné sur le Dr. Young. Ses relevés bancaires indiquent plusieurs paiements reçus depuis avril dernier jusqu'à il y a 2 mois. Puis, plus rien. Les paiements provenaient d'une société dirigée par un certain Jack White. Un des anciens surnoms du Joker. Il paie donc le Dr. Young pour créer son armée, et puis soudain, il arrête.
Ça n'a aucun sens. Allez, c'est parti. C'est énorme, hein. Il va falloir traverser tout ça. Hey, c'est bizarre. Les virements sur le compte du docteur Young ne se sont pas arrêtés. Ils ont été refusés. Le docteur a bloqué son compte. On dirait qu'elle a changé d'avis. Elle a tenté de bloquer les paiements. Le Joker n'aime pas que ses partenaires l'abandonnent. Alors, il a décidé de revenir à Arkham, de trouver la formule et de créer l'armée lui-même. Exactement. Allez, on peut monter là. J'ai piraté sa messagerie. Hey, deux emails sortent du lot. D'abord une lettre de démission de la semaine dernière. On dirait que Young a voulu fuir. Et le deuxième? Un message du Joker, enfin, de Jack White. Il est long. Le supplie d'arrêter l'expérience. Lui dit que c'est trop dangereux. Il ne l'écoute pas. Voyons. Des menaces à sa famille, quelques blagues vaseuses, la photo d'un bébé mort et une menace. Continuez. Il lui dit qu'il vient la chercher, qu'il veut ce qu'il a payé. Puis, une blague sur les chaises roulantes. Charmant. Et le dessin d'un âne. Bah, étonnant qu'elle soit terrifiée. Je remonte à la surface. Je la trouverai. Il y a un point d'interrogation. On va récupérer quelques bandes en bande. Voilà. De l'antigel, du gel explosif en antigel. Ah, quel effet de ralenti! Ça, c'est bien pour du Batman. Hein. Alors, je crois qu'ils m'attendent tous. Hein. Oh oui, putain, ça va être le bordel encore. Écoutez, mais bon. Des snipers. On dirait que les malfrats du Blackgate ont accès à l'arsenal. J'avais bien qu'il y a un problème, pourquoi il se relève? Il était assommé ou mort? Bon, il n'y en a pas d'autres là. Mais qu'est-ce que tu fous, Batman? Bonne nuit. Non, parce qu'il était couché, il est relevé pour donner un coup. Il avait envie de l'avoir dans sa figure, le point.
Ah, les améliorations. Ah non. Non, celui-là. Boost combo spécial. Et celui-là. Batarang de combo. Et celui-là, il n'y en a pas. Ça, c'est tout nouveau, donc c'est en attente. Et les autres qui sont déverrouillés. Bon, c'est déjà beaucoup. Alors, je crois qu'il faut aller par là. C'est marrant parce que comment ils peuvent savoir que j'étais là, parce que j'étais à des kilomètres d'eux, franchement. C'était les gens qu'on a été tout à l'heure, ils ont redéplacé l'ambulance en fait. Alors, il y a des snipers un peu partout. Ah d'accord. Ah c'est la première fois qu'il me fait le coup là. Oh, c'est pas mignon. Non, j'ai pas le temps de parler avec toi. Ah bah c'est ton resté en l'air. Somme, il y en a deux là-bas.
Putain, et tu vois qu'il en a mis, un troisième sur les toits là. Le grappin. Alors, il y en a en dessous. Ça t'intéresse? Je peux lui en parler. Ça a l'air cool, c'est d'accord. Hein? Allez, bonne nuit, petit. Où est les tripes? Allez, bonne nuit. Là chercher des documents. Ici le Joker, avec des nouvelles pour vous. La bonne nouvelle d'abord. On a le docteur Wu. La mauvaise nouvelle, elle ne parle pas. Salut les gens, ça gaz. C'est ça, moi. Ses notes avant le Joker. Ah, comment je maîtrise le truc quand même. J'ai cru que j'allais crever. Mais... À quoi sert ce collier? Pourquoi il fait ce bruit? C'est le collier suicide. Il est bizarre. Collier suicide? Ça porte un autre nom, mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plaît, Batman? Est-ce que tu t'amuses dans... voyons... dans la l'Ouest? Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner, ce cher Cash. Tu sais quoi? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. D'accord, qu'est-ce que t'as prévu pour Batman? Cash est à côté. On dirait qu'il s'est fait frapper. Vous devez l'aider. Ah, oui. Je m'en occupe. Restez là. Ça va faire mal. Alors on y va alors, on va aller des caches. Frappe-le encore, plus fort! Ah,
Et 2-1. Il reste plus que 5. Y'a quelqu'un par ici! Mais a raté. Non, je suis pas naze, j'ai mal fait mon coup, c'est tout. Bye bye Batman. Ouais, arrêtez de dire des conneries. Sportif. Coinçons-le. Marquez, il est monté. Il peut être n'importe où. Je vais le prendre. Je tire dessus. Ah bah j'ai mon rue alors. J'y comprends rien là. Je vais me cacher de côté la prochaine fois. Quelqu'un relève le petit pas. Non, dégage. Allez, concentration. Ne veut pas parler. Qui nous est cette garce? Parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Oh, que si. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouve... Qu'est-ce que... Sans... Y a quelqu'un? Par ici! Il s'est passé que je vous bute, bande de petits cons. Et qui s'y fait tout seul? On laisse là, on se sépare pour choper Batman. Attends, je te coupe. Je vous ai un signe d'état. Je vais te prendre en revers, on va. Pourquoi le Joker? Tout se rassembler là-bas. Attends, je viens avec toi. Maintenant, on va faire des groupes de deux. Allez, trouvez-le. Ce n'est qu'une vieille salle pleine de livres. C'est si dur que ça. Pour les avoir comme ça.
simple. Faire parler Cash. Trouver le docteur Young et ses notes. Est-ce que l'un de vous a déjà accompli l'une de ses tâches? Ah non, bah ça va être bien alors. L'autre il est en dessous. Ah bah non, il est plus en dessous maintenant. Ça va être chaud chaud chaud. Bon, on va essayer d'en avoir là. Hé hey Jean, ça va? Quoi de neuf? Ah, peut-être pas. Ah, t'es un lui là. On va essayer. Hein. Il va pas voir, je le sais. Oh, petit bonhomme. Ah, c'est très très compliqué là. Maintenant, je vois la difficulté qu'il y a entre la version facile et la version normale. Qu'est-ce que je fais, je tente ou pas? Ah, j'aurais dû tenter, tiens. J'avais espéré que ces colliers vous aideraient à attraper la chauve-souris. J'avais tort, apparemment. Se concentrer. Allez, attends ton tour. Et voilà. Batman, on est attaché. Allez. Non, c'est vrai, je t'avais pas vu. Merci. Où est passé le docteur Young? Je lui ai dit de fuir. Ces types sont venus la chercher. Je lui ai dit d'aller se cacher dans son bureau. Elle garde ses dossiers là-bas? Je crois. Elle tenait à tout prix à y aller. Son bureau est par là. Ça fait combien de temps? Je dois trouver ses notes avant que le Joker le fasse. 20 minutes, ou même plus. Pourquoi ces notes sont si importantes? Le Joker les veut. Voilà pourquoi elles le sont. Restez là, je vais la chercher. Pas de problème. J'essaie la radio. Pour voir s'il y a quelqu'un dans le coin. Ok, d'accord. Bon, bah, on va aller chercher. Merci pour le coup de main. Contrôle d'Arkham, vous m'entendez? Pas temps de parler avec les étrangers. Sécurité cache. On est dans le manoir et on a rencontré des armées. Répondez, s'il vous plaît. Tu cherches les notes tout seul? Tatou. Vachement, une de mes équipes travaille. Verrouillé. J'en suis sûr. Sans parler de l'armée. D'une façon ou d'une autre, la formule sera à moi. Il ferait mieux d'abandonner. Allez, je suis tombé pour une fois. Fais-toi plaisir. Oh.
démarre pas. Une seconde, ça doit être bon. Tu l'as déjà dit il y a 10 minutes. T'as qu'à lui dire, toi. Pas moi. C'est une question de seconde. Merde. Quel crétin. Le Joker va pas être content, et tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je te désarme déjà pour commencer. Comment il va? Ça va, oui. Toi couché, j'ai dit. Toi couché aussi. Tu te prends m'avoir comme ça, toi. En me balançant une caisse. Les sbires du Joker tentaient d'entrer dans ce bureau. On dirait qu'ils n'ont pas pris la porte principale. Je dois trouver une autre entrée. T'inquiète, j'ai la solution. Les conduits de trucs, les conduits d'aération, c'est toujours la même chose. Quelqu'un a déjà ouvert le coffre. Reste à découvrir de qui il s'agit. Il n'a pas été forcé. Celui qui l'a ouvert connaissait la combinaison. Voyons. Bien. Young a atteint ses notes avant le Joker. Elle les a prises pour les cacher. Je dois la suivre pour voir où elle les a mises. D'accord, bon, on va y aller alors. Nous sommes à combien de minutes de vidéo? 37 minutes, bientôt 38 minutes. On va encore continuer. C'est pas par là qu'il faut aller alors, par là. Problème là, chef. Ah bah oui, c'est normal. Je vais faire quelque chose dans le bureau. Excusez-moi, je vais aller trop vite dans le jeu. J'ai oublié quelque chose. Voilà, mode détecteur. Oracle, je piste le docteur Young. J'ai dû régler le scanner pour voir uniquement les empreintes fraîches. Ces traces me mèneront à elle, ou à ses notes. Croisons les doigts. Juste pour info, le GCPD a trouvé une bombe du Joker dans le centre, bourrée de pâtes d'amande et de chatons. Je le savais. C'est juste pour faire diversion. L'important, c'est Arkham. Maintenant, c'est bon. On peut y aller. Si j'oublie de faire la moitié des choses, comment voulez-vous que vous suiviez, ouais. Le Joker avait raison. Il est là. Couché, il dit. Les liens. On sait jamais. Bien. Alors là, c'est fait, donc il faut partir par là. Rien à droite. À gauche, pardon. Ouais, je sais même plus ma gauche de ma droite. Il
Et c'est reparti. C'est peut-être ça. Ce type est dingue. Il respire encore. Zaz ne laisse jamais ses proies en vie. Non, parce que c'est pas Zaz, c'est Batman. J'aime pas ça. Oh. Buté, Batman. Ouais, c'est ça, on a dit avec toi. Tu seras gentil. Sa cape est vraiment déchirée. Hein. C'est Batman! Non, c'est Jean-Pierre Coff. Bienvenue à la bibliothèque d'Arkham. Le passé nous défie. Je vais défoncer la caméra. Un meurtre par là, n'importe qui deviendrait fou! C'est une baisse encore plus. Popo. Qui peut quand même, t'as vu? T'as rien vu, hein. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire un tour en bas pour sauver ces pauvres otages. Compris? C'est ça, ouais. Pas dans ton casque, si tu veux. On commence par la fin? Quel parce que c'est par là qu'il faut aller. Mais y a pas de bombe, vous inquiétez pas, c'est juste un leurre. Sont les Jacobios. Merci Batman, ils sont tous partis. Oui, c'est bon. Que s'est-il passé? Tout est allé si vite, des patients sont entrés, ils ont tout démoli, on aurait dit qu'ils cherchaient quelque chose. Bill s'est défendu, mais ils étaient trop nombreux, ils ont pris le docteur Young, elle s'est précipitée ici et ils l'ont suivi. Désolé. Quand je me suis réveillé, on était attachés. Le docteur avait disparu. J'ai entendu une des radios. On aurait dit qu'on leur ordonnait d'aller dans le bureau du directeur. Le docteur Young essayait de cacher ses notes de recherche sur la formule quand on l'a trouvée. Où les a-t-elle mises? Il y a des traces, là. Ah bah tiens, c'est là. Elle s'est mise là. Oracle, j'ai la formule du docteur Young. Super,
Ça veut dire que vous avez arrêté le Joker ? Rien n'est si simple avec lui. Ça, c'est clair. Et qu'as-tu dans là, Batman ? Non, pas la formule. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? C'est quoi ? Et si c'était notre vieil ami, ça ? Je suis tombé sur lui. Il revenait des jardins où il avait sûrement dû mettre en œuvre ses idées délirantes. Oh, ah, ça va être une deuxième phase de l'épouvantail. Croyez-moi, c'est ce que je dis. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore voulu voir ce film, Bruce. Viens, on va être en retard pour Alfred. Désolé, papa. Ne sois pas trop dur, Tom. Il l'adore. Alfred peut t'attendre. Allez, Bruce. Où est-ce que tu nous emmènes ? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici ? Allez, venez, on y est presque. Émouvant. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la série Gotham. Allez, gamin, parle. Assieds-toi dans mon bureau. Il n'a rien. Bah, allez, un enfant comme ça, avec tout cet argent, il pourra caler bien. La ferme maintenant. Il a 8 ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez ? Il a un majordome. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose ? Tu vas bien ? Je sais que tu n'as pas envie de me répondre, mais c'est le seul moyen d'attraper celui qui a fait ça. Pourquoi l'a-t-il fait, officier ? Pourquoi ? Je viens de cette ville. Il y a quelque chose qui cloche. Et écoute, fiston. Appelle-moi Jim. Et c'est reparti pour les pantailles. Qui c'est qui ?
Allez, barre-toi. Quel rire. Évidemment, je m'en serais douté. Tout ça, c'est une vidéo de fake, vous avez pas remarqué ça? Et au bout de la peur, il y a l'oubli. T'inquiète pas, je t'aurai. Mais c'est pas possible ça! Regarde la comparaison entre facile et le normal dans le jeu, c'est que facile c'est vraiment facile. Je crois que je vais finir là-dessus sur lui et on va arrêter le jeu après. Je continuerai au deuxième vidéo. Alors on va se concentrer, je parle pas. C'est ok là cette fois-ci. On va y arriver, vous inquiétez pas. On est quand même à 54 minutes de jeu. Hein. Mais bon. Comment ça? J'étais caché. Oh là 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 là. Oh mais vraiment c'est abusé là. J'étais caché là, tu me trouves.
fait le con là, sur la fin. Maintenant, saut. Et ça, je vais souffrir, c'est toi qui vas souffrir. Et les abonnés, ceux qui regardent la vidéo, ils ont dit, mais il est en train de s'énerver. Non, je m'énerve pas en fait. Je joue le jeu comme lui. Alors, petite concentration. Oh, j'ai eu chaud. Tout ce que tu vois est sur mon compte. Couché. Comment j'ai fait pour arriver ici? Zaz a enfermé le docteur Jung dans le bureau du directeur. Je dois sortir d'ici. C'est pour ça que je sortirai d'ici. À la prochaine fois, à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tagorclo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de faire un commentaire. Voilà, voilà. Désolé pour ces moments fail. C'était pas une vidéo géniale. Bon, si peut-être, mais bon. J'ai fait tellement de fail. Enfin bref. Voilà, c'était Tagorclo, j'ai enchaîné sur l'épisode numéro 2, c'était Tagorclo, salut tout le monde!